la pétasse et non, Nightbot, effectivement, n'est pas à jour. Du coup, je vous remets le jeu et on va partir pour une troisième mission. Troisième mission sur leur coaster Tycoon 3. Mission drapeau à damier. Ah oui, mais du coup, troisième vidéo. Du coup, le chat redit bonjour à YouTube. Troisième épisode sur YouTube. Et le chat dit bonjour à YouTube. Attendez, je vais vous réintégrer comme ça on vous verra bien en noir. Voilà, dis bonjour à YouTube le chat pendant que je lis la mission. Alors qu'il y a la caméra, donc vous verrez pas ce qui est écrit. C'est pas grave, je vous l'ai. Drapeau à damier. La formule RCT a fait. Donc Roller Coaster Tycoon a fait un arrêt au stand. Il ne sera pas facile d'emmener cette foule en voiture. Mais mettez le pied au plancher et faites crisser les pneus. Et n'oubliez pas votre ceinture. Bien évidemment. Bien évidemment. Du coup, on va se lancer. Vraiment lancer. Ouais. Ouais. Vraiment lancer. Hop, 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 hop. Pas trop de joie. Merci. Ça suffit. Alors, chargement en cours. Chargement en cours. Et on va partir du coup pour cette troisième mission. Et oui, Yudo, je sais pas si t'es encore là. Effectivement, on a dit qu'on allait à Europa Park au printemps. Bon, on ira à Europa Park. Tu viens jusqu'à Grenoble. De toute façon, tu habiteras à Grenoble d'ici là. Et après, bon, partir en voiture, c'est pas un problème. Bref. Apprenti VIP Clint Bushton. Arrivé 16 mai. Veut monter dans une montagne russe avec une valeur d'excitation d'au moins 4. Donc, le 16 mai, on est actuellement le 2 mars. Le 16 mai, il y a un VIP qui arrive et qui veut monter dans une montagne russe d'une valeur d'excitation 4. Et il faut un total bénéfice mensuel des commerces de 100$. Condition à remplir à tout moment. Ok, donc il nous faut... D'ici le 16 mai, une montagne russe d'une excitation de niveau au moins 4. Donc nous avons... Qu'est-ce que nous... Ok. Nous avons donc un grand circuit. Alors, est-ce que c'est un seul circuit ou pas? Voyons voir. Donc, tac, tac, tac. Là, ça descend. Là, ça descend. Il y a un... Ça passe vraiment sous terre ou je rêve? Ça passe vraiment sous terre? Mais c'est énorme! Donc là, ça passe sous terre, tac, 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 ça vient ici. Là, ça passe pas sous terre, mais presque. Ça monte là, tac, ici. Ok, 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 ça arrive là. Donc là, c'est le départ. Là, ça descend, donc on a apparemment deux circuits. Là, ça tourne, on arrive ici, on arrive là. Et là, on arrive ici, tac, je me suis planté. Je me suis planté quelque part. Je me suis planté quelque part. Mais je crois effectivement qu'on a deux circuits avec là et là. Qui sont l'un dans l'autre. Bon, par contre, on a masse pognon cette fois. Mais salut à toi, Emile. Nouvel abonné. Nous avons masse pognon, 50 000 de liquidité. Donc, il nous faut... Connais-tu Planetary Annihilation Titan? Sinon, c'est un jeu que tu devrais aimer. Je connais le nom, j'ai jamais joué. Alors, attendez. Roller coaster d'excitation... 4. Donc on va voir pour le poser tout de suite. Friction latérale. On a plein de choses qu'on n'a pas encore posées, donc on va pouvoir poser un truc. Le train de la mine. Voilà, ça collerait pas mal. Ah mais il n'y a pas de modèle. Oh c'est chiant. Il n'y a pas de modèle. Tilt coaster. Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a excitation 4? Valeur d'excitation 5. Ouh mais ça a l'air de prendre de la place. Une place infinie. Ah ouais. Oh là là, ça prend la place. Oh, ça prend la place. Attendez, on va aller voir juste les autres missions, voir s'il me faut plus de place. Entrepreneur, VIP le 25 juillet, oh, montée... Pinaise. Ouh, pinaise. Merci à Arc pour ton tips via YouPass. Bonjour YouTube. Comment ça s'est passé la race? C'est passé la race. Sinon, il y a un TS spécial viewer, ce serait bien. Alors, c'est prévu. J'ai pas encore eu le temps d'installer, mais c'est prévu. C'est prévu. Merci en tout cas pour le tips. Alors, valeur d'excitation d'au moins 5, donc je crois que celle-ci elle est au moins 5, et pour Mania, excitation au moins 6. Alors attendez, il faut que je vois combien elle est exactement celle-ci. Si celle-ci peut directement coller pour les 3, ça m'arrange. Donc on avait dit que c'était un tilt coaster. Excitation... Ah, de 5,96, dommage. Bah ce sera pour un autre. Ce sera un autre. Friction latérale. Qui est verrouillée. Ok, je sais pas pourquoi il y en a qui sont verrouillés. Déverrouillé probablement plus tard. Hyper Twister. Hyper Twister. Excitation 5,89. 6,08. Et ça coûte 12 000 balles. Est-ce qu'on a la place pour le broyeur? Attention, les FPS qui chutent. Ah, mais oui, mais ça prend pas trop de place. Bah, ça va. Attendez, on va rotate. Rotate, rotate. Si je le mets là, est-ce que ça passe?
Est-ce qu'on... Merde, ça passe pas. Et comme ça, est-ce que j'arrive... Non, j'arriverai pas à le faire passer. Si ! J'arrive à le faire passer. Par-dessus, et comme ça, quand les gens, ils arrivent, ils voient tout de suite, boum, ils voient ça. Comme à Europa Park, en fait. Ok. Donc, posez 12 000 balles, on pose les balls. Et instant, il est mis. Nickel. Donc, il va pouvoir tester ça, le VIP, lorsqu'il arrivera. Les VIP pourront tester ça quand ils arriveront. On va mettre, donc, la sortie... L'entrée. Comme ça. Voilà, la file d'attente. Super longue. On vire le cactus. Est-ce que, par le plus grand... Non, j'arriverai pas à mettre la sortie qui arrive. Enfin, je pourrais techniquement, mais ça fait un chemin de l'infini. Par contre, je pourrais mettre... Ah si, attendez, on va faire ça comme ça. Tac. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux descendre ? Je peux descendre. Est-ce que je peux descendre raid ? Non, je peux pas descendre raid. Là, je peux... Bon, c'est pas la même couleur. On s'en fout. Là. Et de toute façon, ici, bah, y aura la suite du parc, vu que c'est à peu près le seul endroit que j'ai... Ah non, j'ai de la place ici. J'ai de la place ici pour construire. Et du coup, la sortie de celui-ci va mener vers ce chemin. Comme ça, les gens... Regardez, les gens... ils rentrent dans le parc, ils sautent dedans dans ce machin qui est super excitant, et après se retrouvent au milieu du parc complètement perdus. Et du coup, ils vont passer devant toutes les autres attractions. Donc moi, c'est plutôt pas mal, moi, je pense. Voilà. Par contre, il va falloir mettre des stands bouffe, d'abord. Il nous reste 36 000. Putain, on est sacrément large. Burger bison. Des burger bison. Alors, à la sortie directe, je suis pas sûr que ce soit une bonne opération, parce que les gens, ils ont un peu le bide, les dents du fond qui baignent, vous savez. Donc c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est pas grave. La route beer, on la met, on l'ouvre. Les toilettes... Et ah oui, poste de soins, parce que là, ils vont être malades en sortant de celui-ci. Donc on va mettre le poste de soins. On va mettre des chiottes, s'ils ont besoin de dégueuler. Ici, les chiottes à côté du poste de soins. Voilà. On va mettre un petit souvenir aussi pour leur petit vomi. Un chapeau, comme ça, ils pourront vomir dans le chapeau. Ils achètent le chapeau et après, ils vomissent dedans. Tac, 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 c'est bon. Ici, on va mettre... Là, il y a plein de monde. Il y a un grand carrefour ici, donc on va mettre de la bouffe par ici. Alors oui, par contre, est-ce que tu peux me le monter ? T'es censé... Je suis censé pouvoir le mettre plus haut. Non ! Vends-le. Vendez-le. Je peux pas ? Tant pis, bon, on va le mettre ici alors. On va la mettre là, la bouffe. Ici, on vend. On ouvre, pardon. Et la boisson, ici. Et on ouvre. On va mettre des chiottes là-dessous. Est-ce qu'il y a de la place quelque part ? Oui, je pense qu'il y a de la place là. Je pense qu'on peut le caler. Oui, on ouvre les toilettes. Non. Ouvrir. Ah, elles sont de toute façon. Ah, on peut pas les fermer les toilettes ? Il me semblait qu'on pouvait les. Oui, oui, voilà. Gouré. Bonjour ceux qui arrivent. Mets des poubelles à chaque sortie de manège, ça aide beaucoup pour les vomis et déchets. Ok, ok. On va mettre également par ici un petit stand de souvenirs et un stand d'info, un stand d'information à l'entrée du parc. Que l'on ouvre. On avait dit un stand de souvenirs. Les goodies. Ballon shérif. Ça, c'est les enfants. C'est les enfants qui achètent. Je n'ai nulle part où le mettre. On va le mettre là, du coup. Ça bloque un banc. On va le mettre en face. Le stand ballon shérif. Non, là, je peux pas. Là, je... On n'a rien vu. Hein. Il n'y avait pas de lampadaire. Il n'y a jamais eu de lampadaire ici. Ok. What else? De bière, la bouffe, on a mis les toulettes, infirmières. Ouh, pinaise, merci Swaxi. Coucou YouTube, coucou S2. Comment quand tu fais une rencontre à Beau sur Grenoble prochainement? Alors, quand tu fais une rencontre à Beau sur Grenoble prochainement? Prochainement, je ne sais pas. Mais faire une rencontre à Beau sur Grenoble, oui, on en avait fait une il y a 2 ans et demi avec Monsieur Lafranc. Et c'était vraiment cool. Donc, j'aimerais bien en refaire. Attendez, pardon, 2 secondes. On va dire qu'ils y ont accès. Et c'était vraiment cool, donc en refaire une, ça me tente bien. Ça me tente vraiment bien.
Et par contre, cette fois, on la fera Apple Mistral. Moi, je connaissais pas Grenoble quand j'étais venu, donc normal, on avait fait ça un peu à l'arrache sur Victor Hugo. Mais je pense que Paul Mistral, ça peut être vraiment bien. On va engager du personnel, des travailleurs de l'ombre. Voilà. On va engager un agent de sécurité et une mascotte. C'est bien une mascotte, oui, qu'on va engager ici. Nickel. Allez, on peut ouvrir le parc. En vitesse 3. Il me reste 33 000 boulas. Donc on va pouvoir rajouter des trucs. Et pas qu'un petit peu. Pas qu'un petit peu. Mais c'est encore, ça va être une mission super facile, super rapide, je pense. Il arrive quand le dernier? Le dernier VIP, il arrive le 13 mars de l'année 2, je suppose. Où est-ce qu'il vient tous les 13 mars? S'il vient tous les 13 mars, ben on va le valider avant la suite. Hein. Bref, quoi qu'il en soit, on va mettre des attractions. Manège bison. Un petit manège bison. Faut attirer le monde par ici parce qu'il y a des stands. Non, peut-être à l'entrée. On va mettre ça à l'entrée. L'entrée de l'attraction, on la met là. La sortie, ici. On ouvre. On met des files d'attente. Voilà. C'est bon, il est ouvert. 32 000. Ah, ça coûte que dalle ce genre d'attraction. Un round-up. Le machin de merde qui pollue qui pollue la planète. Eh bien, on va en mettre un dans le parc. C'est où que j'avais réussi à le caler? Là. C'est un peu chiant avec la déco. C'est un peu chiant avec la déco. Non, bon, on va tirer le monde par ici. Écoutez. On va le mettre là. Comme ça. Entrée. Sortie. On l'ouvre. Il y a trop de thunes là. Trop de thunes au début. Il n'y a pas le système de level sur mon chat. Je trouve ça un petit peu inutile en fait. Je ne l'ai pas mis. Une nouvelle attraction tour rotative et nouveau type de chemin sableux. Ok. Le round-up, on l'a mis. Roue western. Allez, attirons les petits enfants par ici. Pendant que les parents ils vont aller vomir sur l'attraction d'à côté. Hop. Et hop. Ok. On met du chemin. Pas comme ça. Chemin comme ça. Voilà, c'est ouvert. C'est bon, ça tourne. 30 000. Trampoline. Allez, pour les petits enfants. Pour les petits enfants, le trampoline. Ah, je suis pas sûr de pouvoir mettre un chemin à ma sortie. Ah, je peux pas mettre de chemin à la sortie. Tac. Nouvelle attraction, course de moto. J'arrive jamais à retrouver où sont les trucs que j'ai besoin. Là, non. Là, non. Non. C'est où pour modifier l'entrée? Entrée. Je vais la mettre là. Du coup, on a la sortie. Comme ça, et l'entrée. Là. Ok. On ouvre. T'as pas ouvert le roller coaster, c'est vrai? Un VIP est arrivé! Vite, ouvre. C'est bon, il est ouvert. Un VIP est arrivé. Où est-il? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que vous voulez tester mon application? Comment je fais pour le suivre? Je peux le suivre ou pas? Ah, c'est son chemin! Et donc il a fait le round-up. Non, il va au round-up. Donc attendez, donc il vient, tac, tac, tac. Putain, c'est le bordel. Il vient là, il vient tester ça. Faut peut-être que j'augmente le prix là, moi. Parce que bon, il y a un peu trop de monde. 4 dollars. Voilà, va pour 4 dollars. Nickel. Parc en bac à sable. Ouais, pas tout de suite, mais un jour on le fera, oui. Ce sera pas aujourd'hui, mais on le fera. Et ça, on va le tester. Ok, il y a les premiers qui arrivent. Combien ça coûte le tour? 1 dollar! Allez, mets-le 4,20 $. Participe à KTP. Oui! Oui. Donc là, c'est nickel. On a encore 30 000 balles.
Est-ce que je peux pas remettre un gros roller coaster? Enfin, un truc sympathique du genre. Enfin, le train dans les mines. Non, non, train dans les mines, on n'a pas de pattern. La souris tourbillonnante. 3500. Ah, bah, valeur d'excitation 6 aussi. Ok. Et ça prend pas de place. Et entrée-sortie sont là. Donc, si je peux le poser comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Avec les chemins de sortie comme ça et chemin d'entrée comme ça. On ouvre. Voilà. Encore une mission bien bien facile. Hein. On aura plus galéré sur la première que sur les suivantes, pour le moment. Satisfaction, ils sont très contents les gens. C'est quoi les autres missions d'ailleurs? Bénéfice du commerce 100$. Bénéfice de tous les commerces mensuels 150 et 200. Combien est-ce qu'on a de bénéfices des commerces actuellement? Bénéfice des commerces. Vente magasin 13$. Ce mois. Et ok, là par contre, il va falloir qu'on se bouge un peu. Il va falloir qu'on augmente un petit peu tout ça parce qu'on n'a pas grand-chose. On est à 25$ de bénéfice par mois. Un petit peu plus parce que de toute façon, il y a les clients qui débarquent gentiment. Mais... Oupines, Kay Swaxi. Squaxi. Ah ouais, ce serait cool au parc Paul Mistral. Bon, en plus, j'habite pas loin, donc moi, ce serait à côté. Alors, attendez. Sur Formule RTC 2, t'en attends très long. Bah oui, mais j'ai déjà augmenté le prix, donc je peux pas faire grand-chose. Est-ce que je peux augmenter la vitesse? Non. Je peux pas augmenter la vitesse. Et sur l'autre, est-ce que je peux? Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il est là. J'ai adoré Roundup. Attention, je passe. Le VIP quitte le parc. Pourquoi il quitte le parc? Je veux rentrer chez moi. Attendez, est-ce que... Monsieur le VIP, qu'avez-vous fait? Je veux rentrer. J'ai adoré Roundup. Vous avez appelé Monica. Pourquoi t'as pas testé l'autre là, espèce de con? Attraction visite. Mais visite l'autre, imbécile! Satisfaction full, nausée moyenne, opinion du parc. Pourquoi elle est aussi basse? La considération du VIP doit être maximale si vous souhaitez les impressionner. Nul. Ah mais peut-être que le Roundup il a un truc de bonne. C'est peut-être bon en fait. C'est peut-être bon. Hop, ouais, je voulais augmenter un peu le prix ici. 3,20$. Il a combien celui-là? 4$. Va pour 4$. Hein. Va pour 4$. Nickel. Montagne russe rotative et atteste et d'enfer. Pas maintenant, non. Pas maintenant. Et même reste 26 000 thunes. Mais en fait, c'est surtout les commerces là qui me manquent. Donc il me faut des commerces. Ah, j'ai débloqué le burger. Non, le grill ou le burger qu'on a? Actuellement, on a. Ok, le burger bison pour le moment. Donc on va installer des grills. Parce qu'il nous faut du bénéf sur le. Sur les commerces. Active. Donc il faut les placer de manière intelligente. Mais j'aimerais bien pouvoir en placer un ici, mais je peux pas le mettre en hauteur, je sais pas comment faire. Euro Truck Simulator 2, oui, en live il y a longtemps. Et Farming Simulator, oui, en live. Qu'est-ce que tu fais le chat? Attendez, j'arrive. Imbécile! Chat qui fait tomber les enceintes. Alors, Roundup 1 toujours en panne. Ok, il faut que j'engage plus de monde, c'est ça? Mécanicien, il est où le Roundup? Le VIP a quitté le parc. Est-ce qu'il est satisfait? Satisfaction? Merde! C'est pas passé. Faut que j'attende un an de plus. Vous n'avez pas impressionné le VIP, réessayez une autre fois. Faut que j'attende un an. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Du coup, on a le temps, hein, si... hein?
Ouais, donc on voulait installer plus de shop. On n'a pas débloqué d'autres boissons. Chapeau de trappeur. Où est-ce qu'il y a du trafic? Du passage, ici. Ouvert. Apparemment, ça, c'est pas assez cher. Ouais, 1$. Je vais le mettre à 4. 4$. Ça, par contre, il n'y a pas grand monde. Bon, c'est pour les enfants. Ça, pareil, il n'y a pas grand monde, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants, c'est 50 centimes, on va laisser comme ça. Toujours. Broyeur, c'est où le broyeur? Merde, celui-là, il est en panne. Ah non. Si. Beaucoup de personnes ont faim. Où est-ce qu'ils ont faim? Mais oui, mais je peux pas installer de shop, là. Ah. Morbac, si ton message était supprimé, c'est probablement le bot qui l'a supprimé tout seul. Majuscule, trop de caractères spéciaux, les choses dans le genre. Les choses dans le genre. Attendez, alors du coup, on va faire un truc pour qu'ils aient à bouffer. Le problème, c'est que... Ah non, pelle. J'essaye, hein, j'essaye de bidouiller. Ça marche! Ça marche! Magnifique. Manège bison 1, toujours en panne. Putain, mais c'est pas vrai, combien j'ai de mécanos dans mon parc? Qu'est-ce qui glande? 3 mécanos, ok, bon, j'ai compris. 4. Allez, va pour 5 mécanos. Voilà. On a plein de nouvelles attractions. Attendez, je diminue un petit peu la vitesse. Allez, on va mettre ça comme ça. Et je peux changer le parcours du VIP, merde. Bon bah je saurai pour le suivant. Il y en a un qui arrive bientôt en plus. Root beer. Ça l'a accroché, ça l'a accroché. Magnifique. Donc la root beer ici. Les souvenirs, souvenirs. Des souvenirs, des souvenirs. Est-ce que j'arrive à monter cette partie-là? On dirait bien que non. Celle-là non plus. Il n'y a pas de Control Z. Par contre, je peux monter... Non, ça, c'est une file d'attente. Ça, c'est une sortie. Non, ça, c'est un chemin. Un VIP est arrivé. Ok, attendez. Personnel de sécurité 1 a démissionné. Ouais, bah oui, il était tout seul en même temps. C'est normal. Là, il y a l'air d'y avoir pas mal de passages. Je vais monter ça. Hop. Bah oui, il n'y a plus de sécurité. Il appelle la sécurité. Il est sérieux, là? 1. 2. Et 3. Voilà, 3 agents de sécurité. Est-ce que c'est mieux? Donc là, maintenant qu'on a mis ça, je vais pouvoir mettre un souvenir. Chapeau de trappeur. Que l'on ouvre. Tu joues à LOL? Non. Il y a un fight sur ton chat. Qu'est-ce qui se passe? Attention, moi je mets des bannes. Attends. Allez hop, du coup, tiens, une heure pour toi, et c'était qui l'autre? C'était ça, voilà, allez, une heure chacun, au coin tous les deux. Vas-y, je t'apprends à jouer à LOL. Non mais Yudo, j'aime pas LOL. C'est pas que je veux pas, c'est que j'aime... Enfin si, c'est que je veux pas parce que j'aime pas, lol. C'est quoi ce chemin là? Hop là, là. Ah oui, pas de modo, si c'est moi qui dois venir modérer en plus d'animer mon live, moi c'est le ban instant. Hein. Merci. Et pour les MP, moi je peux rien y faire, vous pouvez faire un slash ignore sur les gens. Hein. Mais du coup, il y a des bans... Permes qui s'y perdent, voilà, allez. Ah oh, putain, quelle bande de casse-couilles. Et je me suis perdu avec ça, très bien. Tu fais des vidéos de merde, eh bien casse-toi, qu'est-ce que tu fais sur mon chat? Qu'est-ce que tu fais sur mon live si je fais des vidéos de merde, hein? Eh bah tant pis.
Tu dis que t'aimes pas beaucoup, t'es mauvais. Non, attends, j'ai un blitz de génie, moi. Je fais des grappes de génie sur LOL. Eh, tu peux pas test. Tu peux faire des stages à tes employés en cliquant dessus, il y en a trois. Les stages servent à ne pas les faire démissionner tes employés. Oh, bah, je m'en fous, au pire, je les réengage. Hein. Par contre, attendez. Mon VIP, où il est? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il a testé? Attraction préférée? Aucune. Sécurité? Cliquez pour envoyer les pensées vers la console. Établir trajet. Est-ce que je peux le faire venir? Donc il vient ici. Est-ce que je peux le faire tester? Ça. Il est ici. Teste-moi ça. Voilà. Merci. Teste ça. Très bien. Non, mais il y a moyen de bloquer les wisps, Jita, de certaines personnes, je sais pas comment. Donc ça, comme ça, il va le tester parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Clean Bushton, c'est bien lui. Il avait testé une attraction de valeur d'excitation d'au moins 4. Ok. Celle-ci, elle est de 6. Donc ça devrait le faire. Mécanicien 2 a démissionné. Alors attendez. Mécanicien 1. Stage. Cliquez pour former cet employé. Ça coûte. Mais ça coûte que dalle. 100. J'ai 26 000 de. Allez, hop, 1. Tiens, fais le stage. 1. 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 Inspecteur du parc, va te faire enculer. Quand tu fais pour avoir du fric au début, je gère pas. Bah là, j'avais 50 000 au début de la mission, donc voilà. C'est pas moi qui ai décidé. Bon, mon VIP, du coup, il va tester cette application. Cette application, putain, cette attraction, ça devrait lui plaire. Donc c'est good. Et j'ai toujours 25 000 balles. Et combien est-ce que je fais de bénéfice sur mes shops? Ah, ok, c'est bon, on a le plus de 100. Combien je fais exactement? Je fais. Ah, vente magasin et vente restauration. Donc c'est ces deux-là qui cumulés. Et je fais 500, donc on est large. On est large. Donc maintenant, du coup, je peux me concentrer sur les attractions. Et on a débloqué des trucs, il me semble. Est-ce qu'on a débloqué des petites choses? Ouais. Course de moto. Ah merde, il n'y a pas de pattern. Il n'y a pas de pattern prédéfini. J'ai adoré le broyeur. Le VIP quitte le parc, mais normalement. Ça devrait être validé. On a débloqué la mine. Une mine. Alors, il y a eu un arrêt d'urgence, mais on a plein d'employés, donc ça va. C'était où? C'était où? C'était là. Ah si, j'ai. Attendez. Combien ça coûte? 3 000. Des motos. Oh, des Raptors. Raptors. Ah oui, mais là, ça va me coûter une fortune de réussir à le poser, je pense. 4 000. 4 100. On va le poser là. Non, 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 non. Ça passera pas, ça ne passera pas, ça passera pas, ça passe. Ça passe. Mais il n'y a pas besoin de lien, Dita. Tu fais point slash la commande et ça va pas l'exécuter. Attendez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a bien débloqué, donc là. Ah mais c'est le même Clint Bushton. Donc il vient le 25 mars. Je comprends pas trop. Mais Clint Bushton, il fait faire excitation moins 5, mais il l'a déjà fait. Admettons. Le cherche le chemin. File d'attente. File d'attente. De celui-là. Ensuite, chemin. Ok. On a dit, il faut mettre des poubelles. Mettre des poubelles. On n'a pas mis de poubelles. Hop là. Poubelle à la sortie. Poubelle.
connais Heroes of the Storm. Oui, j'ai beaucoup joué, j'ai arrêté. C'était cool, mais j'ai arrêté. Je suis plus joueur de LoL, de HOTS que de LoL, largement. Ouais, on peut la sortir celui-là. Il y a plein de vomi. Satisfaction, les gens sont pas très contents. Qu'est-ce qui leur arrive? Taux de base du parc, pourquoi moins 100? Et moins 500 déchets vomi. Ok, il faut plus d'agents d'entretien. C'est noté, chef. VIP arrive d'ici une semaine. Ok, ok. Ça j'ouvre. Et il nous faut beaucoup. Mais alors, beaucoup plus d'agents d'entretien. Et là, on va devoir définir des zones. Ah bah oui, j'en ai plus. Pourquoi j'en ai plus? Allez, agent d'entretien. Au travail. Au travail. 3. 4. 5. 6. C'était pas lui que je voulais embaucher, c'est pas grave. 7. Non mais... Ah si, c'était bien eux. Bon, c'est pas grave, on en a tout plein. On en a en masse. Masquer ça... Ah mais si, je suis con. Ils étaient masqués, c'est con. Bon, c'est pas grave, du coup, on en a masse. On va leur faire passer les stages de 50. Un champ d'entretien. Nap. Nap. Comme ça, ils sont contents. Donc, on les envoie à l'école du balayeur. Nous la mention. Membre orchestre avec petit tambour. Je veux le petit tambour. Bon, lui, il a passé un deuxième stage, donc ce sera le patron. Enfin, après moi, bien sûr. Ok. Ok. Ok, il me reste 20 000. On est bien large. C'est parfait. Nickel. Et c'était à moins 500, là on est à moins 450. Vitesse 3. VIP est arrivé. Donc il faut le faire tester tout de suite. Ça, oui, c'est bon, il y va. Il y va de lui-même. Parfait, donc vitesse 3. En avant. Je commence à faire frais. Il commence à faire frais. Je ne résiste jamais à un joli minois. Ok, donc en fait, lui, c'est un strip club qu'il lui faut. Est-ce qu'on a reçu des nouveautés? Bretzel. Des bretzel. Des bretzel. Et je vais pas pouvoir le mettre là. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages par ici? Pas tant que ça. Hein. Non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est par ici. Donc, comme ils arrivent forcément par là, on va mettre les bretzels ici. Ils passent devant. Les bretzels, ça donne soif. Il n'y a pas de boisson juste à côté, donc on va mettre une petite root beer ici. Et la boisson, ça fait pisser, donc on va mettre des pissoirs juste à côté. Et le problème des pissoirs, c'est que ça pue. Donc, on tombe malade. Et quand on est malade, on va au poste de soins. Et le plus gros problème dans toutes ces histoires, c'est que tout ça coûte cher. Donc on met un distributeur de billets. Voilà. Alors Rogue Legacy, c'est pas prévu. Des Sims, oui, j'aimerais bien en refaire en live. Et je vais commencer à uploader un peu plus les... Pardon. Les rediffs. Donc qui dit live dit rediff également. Et qui dit rediff dit rediff. 10 vidéos. Pognon, 4$. Ça, j'ai pas augmenté le prix, je crois. Ouais, 1$. Augmente un petit peu, on va le passer à 3. Nickel. Nouvelle attraction, manège dinosaure. Clint Buxton, je veux retourner sur le broyeur. Ok, il est content. Il est content. Et du coup, alors attendez. Celui-ci, il a énormément de fils. Non, ça va. La file, ça va. La file, ça a l'air d'aller un peu partout. Donc c'est cool. Quoi, drapeau à damier? C'est le titre de la mission. C'est où que t'as vu ça? VIP quitte le parc. Ok, bah il rentre, mais il l'a testé, donc normalement c'est bon. Ouais, je voulais voir pour faire un truc. Celui-ci. Récompense reçue, meilleure fiabilité. Attendez, celui-ci on va le fermer. On va se passer en pause et on va l'éditer. Nous allons faire un truc, vous allez voir, c'est une chose extrêmement intelligente. C'est que nous allons mettre, je crois qu'on peut faire ça de mémoire. Hop, non, pose ça, oui. Nous allons mettre une ligne de départ ici, et merde. P.
rappelle, c'est bon, c'est toujours en pause. Il faut que je nivelle tout ça. Là, je peux pas le faire plus grand. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh si, ça passe. Aplati. Voilà. Aplati-moi la montagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, on retourne en mode édition de celui-ci. Et normalement, voilà, je peux poser l'entrée ici. Vire-moi ça. Je veux pas. Il faut que je pose une sortie aussi. Voilà, alors est-ce que ça enlève l'autre sortie ? Entrée, sortie. Non, ça enlève pas l'autre. Est-ce que c'est la même ? Est-ce que c'est le bon circuit ? Celui-là, il fait tout un tour ici. Il passe là-dessous. Il vient là, tac, 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 et il monte. Ouais, donc c'est bien celui-ci, donc il a bien deux entrées et deux sorties maintenant. Et du coup, les gens vont pouvoir se balader, vont pouvoir voyager dans le parc, en fait, à bord de cette attraction, et rentrer ou sortir, pas forcément au même endroit duquel ils sont rentrés. Et ça, c'est vachement cool. Donc on va voir l'entrée qui est là. Descend, à plat. Et la sortie, alors tu me vires la plante ici, tu vas me mettre un chemin. Quoi ? C'est pas la suite ? C'est pas la suite. Il faut encore que je nivelle. Là. Merci, et fais-moi ça propre. Vends le cactus ! Fais-moi ça propre, que ce soit un peu présentable. Non, présentable, j'ai dit. Voilà. Hop. 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 Voilà, c'est déjà un peu plus présentable. Et normalement, je dois pouvoir poser mon chemin maintenant. Non ! Voilà, fais pas chier. Tu fais pas chier, ça passe. Tac, et maintenant voilà. Descends. Passe ici. Et voilà. Et du coup, je peux fermer ça et réouvrir. Non, attendez, nombre de voitures, je vais pouvoir en mettre plus maintenant du coup. Ah, je peux en mettre plus. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, parfait. Nickel, et play. Et on va voir si ça fonctionne. Nouvelle attraction robinet. Attendez. Ah, je peux pas l'essayer. Nul. Bon. Salut Samix. Comment ça va? Ça fait longtemps Samix. Ça fait super longtemps. Bon, en tout cas là ça passe, il y a masse de monde. On a 600 personnes dans le parc et ils sont, ça y est, cette fois-ci très très contents. Le VIP était parti. Est-ce que ça avait validé sa quête? J'ai même pas vu. Le VIP quitte le parc. Ah, mais il est pas parti encore. Il est en train de se barrer. Du coup, ça va faire sous peu. Facile. Vous avez reçu un bonus de recherche. Donc, nous avons reçu. Nouvelle attraction, Reese Peanut Butter Cups. Nouvelle attraction, Toboggan, ça c'est pour l'eau, toboggan couché et toboggan à propulsion, ça c'est dans l'eau. Mais par contre, le Reese's Bitter Peanut Butter Cups, c'est à bouffer. Non ? Non ? Ah bah non, pas du tout en fait. Pas du tout. J'ai pas trop le temps, je bosse chez les beaux-parents. Ah, d'accord, ça mixe. Ok, je vois.
Une attraction tramway attrape-moi. J'ai toujours 18 000 balles. Hein. Manage... Ah voilà, manège dinosaure et Reese's Bitter... Peanuts Buttercups, on l'avait pas mis dans ce parc. On va du coup mettre une attraction ici, avec l'entrée là, la sortie là. J'aurais pu le coller du coup, c'est pas grave. Le chemin, on vire les plantes. Tac, sortie, tac. Là, et on peut ouvrir de suite. On pourrait faire une prison architecte après. Non, prison architecte, ce sera la semaine prochaine. Je pense normal. Je crois de mémoire, c'est mercredi. Parce que ce sera le jour, en fait, de la diffusion du dernier épisode sur YouTube. Parce que oui, vous pouvez revoir la rediff sur YouTube. Par contre, pourquoi là, ça part pas ? Attendez. Donc, tac, 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 blablabla. Est-ce qu'on a des voitures qui peuvent arriver ici ? Ah merde, ils attendent que ce soit full partout. Attendez alors. Non, c'est pas le root beer que je voulais, c'était ça. C'est pas les infos, c'est pas ça que je voulais. Sélectionne lui. Voilà. C'est au niveau du temps d'attente. À attendre, voilà. Ah, il est obligé d'attendre que ce soit complet. Ok. Nul. Ah, section blocks. Non, ça passe pas ça. Nombre de tours. Hein, ok. Bon, ça, on peut voir modifier. Très bien. Nickel. Les VIP arrivent d'ici une semaine. Dans tous les cas, honnêtement, il suffit plus que le VIP il teste cette application. Cette. Ah putain. Cette attraction-là, et c'est win. Et après, qu'il se barre de mon parc. Et après, c'est win. Ah mais moi aussi j'ai déjà énormément d'heures sur ce jeu, mais surtout sur le 2, Roller Coaster Tycoon 2. Quand j'étais petit j'y jouais énormément, tout comme à... Ah mais merde, c'est bugué ici. Oui, tout comme à Zoo Tycoon, tout comme Zoo Tycoon. Alors attendez, il faut que je vire ça. En fait ils peuvent pas monter, donc du coup ça me bloque tout le... Donc il faut que je pelte tout ça. Et maintenant tu vas me diminuer un peu la hauteur de tout. Merci. Et du coup là le chemin ça va passer normalement. Non. Ça. Comme ça. Et là c'est bon. Alors c'est pas le bon sol. Mais là c'est bon. Et du coup je peux mettre play. L'a rouvert et du coup normalement les gens vont pouvoir grimper à l'intérieur. Magnifique. Donc nous avons Clint qui est arrivé. Est-ce que oncle Clint a prévu d'aller tester ça? Oui. Magnifique. Ref le game. Mais une entrée. C'est bon, je l'ai mis. Ouais, Zoo Tycoon, c'est des bons souvenirs. Mais j'en ferai peut-être. Je pense qu'on va on va essayer de se faire toutes les missions de Roller Coaster Tycoon. Et que par la suite, on se fera du Zoo Tycoon. Bon, faut que je le rachète par contre. Je le retrouve. Bon, allez, faites-moi ça, s'il vous plaît. Oui, merci. Remplissez-moi les voitures. Voilà, allez, encore un. Oui, c'est bon, les gens arrivent. Parfait. Donc là, ils partent. Normalement ils sont partis en face également. Voilà, ils sont partis. Maintenant ce qu'on va voir c'est est-ce qu'ils s'arrêtent ici et effectivement on se retrouve à l'autre sortie ou non. Ah non, ils ne s'arrêtent pas. D'accord. Ok, bon c'est pas plus grave que ça hein, mais... Ah, peut-être certains et pas tous. Je ne sais pas. On s'en fout un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, tout ce qu'on attend maintenant, c'est que le VIP sorte et après la mission sera terminée. C'est parti. Ah. Il est où? Ah, il est dans le machin, celui-là, ok. Nouvelle attraction, spectacle Far West. Spectacle Far West.
Le Pestacle. Le Pestacle, on va le mettre... Il y a toute cette zone-là qui est complètement inexploitée. Mais c'est très très chiant. Donc avant de l'acheter... Bon, de toute façon, la mission va se terminer soon. Mais avant de l'acheter, dans tous les cas, ce que j'aurais fait, c'est ça. Un peu de terraforming à la Minecraft. Hein. On peut faire comme dans Minecraft. C'est tout aussi facile. Oh, j'ai pété des trucs. J'ai pété un petit peu la déco. Merde. On n'a rien vu, hein. On n'a rien vu. Là, c'est pas très très beau. Il y a des bugs bizarres. Il faudrait que je lisse. Est-ce que je peux lisser? Je crois que je suis en train d'empirer les choses. Plus petit le cercle. On n'a rien vu, hein. C'est normal. C'est normal. On a fait des canyons. On a fait des canyons. Clint, j'ai adoré. Le VIP quitte le parc. Donc vitesse 3, et s'il quitte le parc et ce, que c'est un succès, eh bien, ce sera fin de la mission. Il est où? Est-ce que je peux voir où est-ce qu'il est? Si je clique dessus. Ah, mais il est perdu. Waouh, 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 waouh.